Ici Nicole Bordelot et c'est avec joie que je vous présente mon roman « S'aimer malgré tout ». C'est l'histoire de Edith Lebeau-Davis, une jeune femme qui en apparence réussit dans toutes les sphères de son existence. Elle a 36 ans, elle a complété de brillantes études, elle est à la tête d'une grande firme dans le Vieux-Montréal. Mais lorsqu'Edith rentre chez elle le soir, elle doit faire face à de nombreux démons. Certaines personnes peuvent vous raconter en détail le moment précis où leur existence a basculé. Il y a celles qui vous diront que ça s'est fait à la suite d'un deuil, d'un divorce, d'une séparation. D'autres que tout a chaviré après une faillite ou un licenciement. D'autres que tout s'est effondré avec le diagnostic d'une maladie ou après un grave accident. Mais elle, non. Il lui était impossible de déterminer à quelle époque tout cela s'était passé. Pour en savoir plus, s'aimer malgré tout. Merci